Bienvenue à tous YouTube, on continue notre aventure sur l'ombre du Mordor ce soir. Et ce soir, pour continuer cette aventure, on va... Poste de commandant à la porte noire, je comptais refuser. Je vais vous y cacher tous les deux. Merci, Alas. Je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour ma fille. Ce soir, on va surtout, en fait, on va pas continuer de la... On va pas continuer de l'histoire principale, on va aller faire des collectibles. En fait, on va aller faire tous les petits éléments qui se trouvent sur la carte. Il y a des collectibles. Bon, déjà, je vais aller voir c'est quoi le point qui est à 208 pieds là de moi, donc on va y aller. Assassin's Creed! Ah, il faut que je monte là-haut. On va y aller. Pas par là. Ah si, c'est par là. Ninja. Tcha tcha tcha. Ça a l'air d'être en main, hein. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Le pelote prend pour Flash McQueen. Et si je le suis. Merci. Pitié. Vous devez y retourner pour sauver mes amis. Ouais, en fait, j'ai débloqué plein de missions. En fait, on va faire tous les trucs qui se trouvent un peu sur la carte, les collectibles. Et en fait, vous voyez, sur les tours de forge, il y a des éléments à faire. Des missions. Et bah en fait on va essayer de faire des... De remplir toutes les tours de forge en bleu aujourd'hui. Donc on va aller faire... Bah on va aller faire la mission de l'arc. On va... Ils ont tellement souffert qu'ils ne tiennent on va aller faire à peu près toutes les missions qui traînent sur la carte pour pouvoir un peu bah, faire les collectifs, faire tout ça. Et d'ailleurs, je le vois pas d'ici. Ah mais... Ouais quand tu penses que la carte est grande en fait parfois elle est... Elle est pas minuscule mais... Elle est suffisamment petite pour pouvoir trouver rapidement des éléments quoi. Et on ramasse les éléments, on ramasse les collectibles. Parce que des... Voilà. Ou d'agriculture. Les Numéloriens emportèrent de nombreux objets lors de leur grande diaspora. Le voyage fut long et périlleux. Mettez sur pause, ouvre ton micro bébé. Ah il est là lui, en effet il est sur Apex. Il est sur Apex le petit boug là, je l'ai vu. Comment il va mon petit Jésus? Eh, hey, j'ai fermé Apex bébé. Ah, pour il est fermé. Il est fermé Apex. Bah là, on peut discuter tranquillement puisqu'on on va faire du... Bonjour, je bah, suis expert en lore Seigneur des Anneaux. Voilà. Vous jouez Celebrimbor, Etalion, un rôdeur. Je crois que t'as spoil comme un gros bâtard. Ah merde. Dans l'ombre du Mordor, on sait pas l'identité du spectre en fait. Si. Man, on sait. Au tout début. Bah chut, ferme ma gueule. Voilà, il est arrivé, il a spoil. Da putain, quand je suis dans le chat, je backseat. Quand je suis en vogue, je spoil. Bon, il apparaît. Pardon. J'ai une grande nouvelle. Qui? J'ai commandé une clé 5G. Oh, trop bien! Un abonnement qui coûte très cher, mais... Mais voilà quoi. Donc peut-être reprise des lives très régulières. En tout cas c'est pour ça que je l'ai acheté. Je verrai trop cool si y a pas un... Très bien. Maintenez E à proximité d'un ennemi. Eh vous? Non ils sont trop loin. Ils sont trop loin? Ouais. Bon après ils sont dans la zone donc ça va mais... Faut... D'où en même temps? Et est-ce que tu as encore Je t'ai dit j'ai pas du tout avancé dans la quête principale quoi. Donc là je draine pour avoir des flèches quoi. Oui mais il y avait des flèches dans... Ah il y avait des flèches qui traînaient... Dans la tente. Ah dans la tente. Dans la tente il y avait des flèches ouais. Bon c'est pas grave. Non c'est pas grave. J'ai drainé un ennemi c'est pas grave. Oui.
Tu as acheté l'amélioration qui permettait de récupérer des tirs d'elfes. Oui, en effet. Apparemment, il semblerait que ça soit ça. Voilà, bon, là, il y a des fiches partout, t'as vu. Tu peux lire le chat au cas où, parce que parfois je suis concentré, je le lis pas. Oui, je peux. D'ailleurs, on fait quoi parce qu'il y a Seiko qui jeûne ce soir, on peut faire du Power Watch. Ouais. En attendant, j'avais dit à Midistrict que je ferais du Apex. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. Ah, mais j'ai pas tué tous les orchers. Je sais pas. Restons en vogue dans Middle Earth Shadow of Mordor. De toute façon, on va faire ça toute la... Je vous avais prévenu, YouTube, hein, on allait avoir ça plusieurs fois. Hein. J'essaye un nouveau type de stream où je me retrouve en vogue avec quelqu'un et je discute juste pendant que je suis juste ultra vénère. Et c'est bon. Bon. Mais viens me parler, PV, de cette clé 5G. Ah ! Il y a... Oui. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, il y a la mission principale qui est là, en face de moi, tu vois. Il y a une mission principale, genre, en face de moi, là, ici. Sauf que nous, notre objectif de ce soir, c'est de remplir en bleu toutes les tours. Genre que si je surpasse, on fait tous les collectibles, toutes les missions des tours. Donc là, on va récupérer le dernier collectif. Là, elle est bleue, déjà, la... Non, en fait, elle est bleue parce que je l'ai activée. Mais tu vois, en fait... Ah, il y a encore un biniou dedans. En fait, il y a les biniou, tu vois. Dans cette tour de fin, j'ai tous les biniou en bleu. Un fragment d'Ithildéine. Ah oui, dans cette zone, ouais, je l'ai. Ah, c'est... Ou du mithril, je sais plus. Je crois que c'est de l'Ithildéine, ça. Tu vois, j'ai même pas débloqué le grog ou tout ça. Un coup fatal lors d'une dernière chance. Ça, c'est trop bien ce qu'ils ont mis dans ce jeu, la dernière chance. Ouais. Je trouve que c'est un truc qu'il faudrait dans d'autres jeux, quoi. Parce que. Bah, tu vis en fait, quoi. Oui. Allez, je suis allé vérifier sur internet. Je suis allé. On va pas dire ce spoil parce que c'est pas vrai, mais je suis allé vérifier et il y a en effet que cette carte. Hein. Ah, ok, d'accord. Il y a que cette carte là dans le jeu. Oui. Donc les autres cartes. Elles. Non, t'as rien entendu, mon pote, c'est pas vrai. T'es sourd, t'as. Oh, non, c'est rien. C'est rien, ça mon pote. Ça doit être le vent. Ça doit être le. Ah, fallait se cacher dans les fourrés. Bon, non. Ah, tu vois, j'ai récupéré, j'ai fait toute la route noire. Mais il me reste genre des. Ah oui, c'est les poèmes. Et après, ça débloque des points de compétence, c'est oh, ça. Oh non, mais faut que je débloque un truc pour cette mission. Oh non. Allez, déverrouiller la compétence brutalisation. Je crois que brutalisation, c'est... C'est trop bien, mec. C'est jouissif. Oui, mais je crois que c'est une compétence de... C'est doumesque. Oui, mais je crois que c'est une compétence de la... Genre de la mission. Ah non, c'est là. Ah bah, en vrai, on va la faire, mais... Non, tu... Fais voir. Attends, bah, en fait, là, je l'ai pas, parce que j'ai pas brutalisation... Plus de points, mais je pense qu'en faisant les trucs autour, les collectibles et tout ça, je vais gagner de la compétence et pouvoir débloquer. Ça me fait marrer de voir les... C'est quoi, ces jobs de bâtard qu'ils ont gardé entre les deux jeux. On n'est pas dans... Comment ça s'appelle? Arrêtez de brutaliser mes copains. Excuse-moi, j'essaie de... Parfois, je fais des trucs épiques, j'aime bien. Je sauve les esclaves. Oh, l'homme blanc qui sauve les esclaves. Bah, ils sont blancs, les esclaves aussi, là. Ah oui, pardon. Et bah, sinon, ça allait être problématique, man. Bah... Contexte. En effet, contexte. Ouais. Non, les petits jumps, ils sont 4 mètres, mais c'est normal. Ah, mais c'est une forteresse. Oh, je déteste les forteresses pour la seule raison que, bah, si tu te fais choper, t'as 17 types qui veulent ta mort. Ouais, c'est... Mais après, tu leur roules dessus. Pardon, excuse-moi. Il y en avait un, il allait me repérer. Oh, mais il y en a un qui sonne l'alarme. Oh là là. Oh, la chouineuse. Arrête. Oh, bébé. Arrête. Oh, ça sonne l'alarme. Bah, parfait pour pour tir de flèche. T'es où, là, le truc, là? Ah, mais t'es en bas? En dessous. Ah, nickel. Non, là, caché ici. Ah oui. Ouais. Oh, je l'avais pas vu.
Ah non, c'est un tir d'elfe, pardon. Non, non, c'est bon. Non, non, il y avait bien le tir d'elfe. Et en même temps, il y avait le mot abîmé. Cette lettre en parchemin a été envoyée par Erin, une exilée. Ouais, si vous voulez lire, mettez sur pause. J'ai du retard, je comprenais pas ce que tu me disais. Ah non, non, mais oui, non, mais bah oui, t'as le retard. De... J'ai une latence, quoi. Karak Angren, les mâchoires de fer, n'a pas été tant... Cette lettre en parchemin, le seigneur des ténèbres, mettez sur pause. Ne désire que la domination absolue. Il allait m'opérer, ça allait pas me plaire. Comme lui. Ça va pas me plaire s'il me repère. Qui me voit? Ah, toi là-haut, tu me vois. Pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu. Tu me voyais. Toi, tu vas me donner. Bon, c'est lequel qui sait des trucs sur les autres là? C'est ceux qui sont en vert. Ouais, justement, justement, je veux pas le tuer. Si tu te. Ouais, c'est ceux qui. Mais en vue spectrale, tu les vois. Donne-moi des... Les informations. Ton âme est à moi. Bon bah on va devoir tous s'en occuper, hein. Toi tu crèves. Ils vont tous débarquer. Là si vous voulez parler c'est très bien, c'est le moment parce que ben je veux juste me fight pendant 20 minutes. Ben c'est bagarre, en fait. Ah non, toi je t'aime pas toi. Ah mec. Essaye de disengage et de drainer le mec à distance parce que ça coupe le combat quand tu réussis à drainer un mec. Non mais on va buter les ceux qui sont pas intéressants. Bon, toi par contre. Mais ils reviennent tout le temps puisque c'est une forteresse avec où le signal d'alarme a été allumé. Au combo. Tellement clippable ce jeu. Dans la bouche. Ah mais toi, t'es pas mort toi? Vous êtes pas mort? Mais vous êtes pas mort vous? Vous êtes pas mort? Espèce de connard. Rêve. Non mais rêve, j'ai gerbé, rêve. gerbé. Et finalement ça va mieux. Bon toi tu veux me donner des renseignements sur... Les types d'émissions principales. Ah mais je connais déjà les forces et les faiblesses. T'es qui toi? Unité man. Moi je connais déjà ses forces. Bon t'es qui toi? Ah c'est Ah t'es l'amical? Ah oui, tu connais là. Attends avec... Oui tu connais déjà. Prochaine bagarre. Non mais oui non. C'est vrai que je connais déjà mais parce que tu vois tu lis le... Tu vois le... Enfin, tu le sais... stream avec du recul oui bah ça va. Ah mais il y en a un autre à une mission là-bas. Donc en soi on va aller à la mission là-bas hein. Ah y'a un Karag. Ah j'aime pas le Karag. Reste dans ta cage. Mais c'est des dadas, ils sont gentils. Oui bah ils sont gentils quand ils veulent. Bah alors c'est quoi ta mission? Piégé jeté dans la fosse par le seigneur des ténèbres. Il devrait pour prouver qu'il n'était pas. C'est un qu'il... défi. Un défi pour débloquer. Wow. Ah c'est la fosse. Attends je crois. C'est la bagarre. C'est cette mission là. C'est cette mission là mec. De quoi? C'est cette mission là. Ça va durer 20 ans? Non c'est pas ça, c'est que tu regardes l'objectif bonus et c'est ultra stylé. Genre du coup tu dois pas te faire toucher pour faire monter ton combo et quand ça monte jusqu'à 100 c'est un délire. Dans le Let's Play Bodleian il avait mis une musique de Powerwolf, c'était épique. Ah bah j'ai été touché apparemment. Non, c'est bon, regarde, il est toujours à 13. Non, bah non, t'as le décalage. Ah oui. Bah ça va. Ça va que j'ai débloqué le truc F. Non, par contre, j'arriverai pas à l'objectif bonus, je crois. Toi, tu crèves. En vrai, je crois que j'avais dû recommencer 2-3 fois pour y arriver. L'objectif bonus. Ah ouais, je me fais toucher par les... Je l'avais fait en fin de partie et du coup, j'avais un truc pété. Enfin, une amélioration pété qui est la contre-attaque. Ah mais en fait, c'est les archers qui me touchent à chaque fois. La roulade, mec. Ah oui, en effet.
Oh, l'exécution. Bien joué. Ah non, mais moi je suis... Roulette, t'es intouchable. Sauf par les épées. Des boss. Et là, y'a pas de boss. Non, mais les 100, ça va être pas possible, je pense. Hein. Bah, ça se fait, mais peut-être quand tu seras plus haut ouais. Level. Parce que t'as des compétences qui te permettent de spammer les coups. Putain, il m'a touché lui. Toi, tu vas mériter ton coup. Aïe. Ça fait mal, hein? Salope. Faut que je fasse gaffe, j'ai commandé une pizza. ça fait 3 heures, le livreur il sonne. Ah bah, faut que tu payes parce que il acceptera pas en nature. Hein. Ah bon? Bah la dernière fois il avait accepté. D'ailleurs j'ai mal aux fesses. Mais c'est une triste, pardon. Oh là là. La roulade, 37, 38, 39, 40, 41. Ah putain, mais ça doit être insupportable pour ceux qui sont sur le chat. Que je commente les trucs avec 10 000 de ping. Oh là là. Ah bah tu l'as cette amélioration qui permet de spammer. Attention. 100, j'aimerais bien. Allez. Non. À 92. Ah merde. Ouais, en vrai t'es à moitié de... Tu peux encore le faire. Tu t'es pris une flèche dans le genou? Bah apparemment. Moi aussi. Moi aussi j'ai failli faire 100 de combo. Puis j'ai pris une flèche dans le genou. Surtout qu'apparemment je suis pas bien là. Oui, il faudrait que tu draines. Ah non, c'est parce que du coup, si t'as tir d'elfe, faut que tu changes ton amélioration. Pour regagner de la vie, il faut drainer des gens. Ouais, j'en ai un doute, mais. Toi, tu crèves. Il est incroyable ce jeu. Enfin, la suite est incroyable. Y'en a qui va me. Pose tout. Mais bon, je pense pas que je fais les 100. Hein. Dernière chance. Bah, tu vas devoir peut-être recommencer. Ah putain, mais c'est. Ah, c'est plus dur en fait. Quand tu joues clavier souris, les dernières chances. Quand tu joues manette, c'est une deuxième vie. Hein. Tout le temps. Y'a pas de. Mais. Oh, j'appuie sur G à la place de F. Le point G. Ah, dernière chance. Bah, allez, fais la mort. Toi. Non, t'en as. Non, t'en as plus là. Si, j'en ai deux. Ah. Ah. Non mais... Ah c'est les archers là. Ouais. Faut spam la roulade. Avec leur lance là, de débile là. Faut spam la roulade. Y'en a un pas qui veut tâter de mon épée là. Ah oh, par contre tu spams cette mission pour mais je crois que dans genre speedrun des compétences tu fais cette mission à la fin et tu montes en XP. Oui, ah bah ça c'est sûr. je crois que c'est un cheat code. Ouais mais ah j'étais pas loin du 100% de l'objectif bonus mais bon bah je l'aurais pas hein. Bah ouais du coup t'as fini. Ah bon c'est pas grave.
J'ai terminé. Et, ah, mais là, faut que je me barre. Bah, ouais. Après, est-ce que je peux refaire le... Je pense que je pourrais le refaire. Ah, quoique. Oui, tu pourras le refaire, mais après, si tu veux faire... Non, bah, c'est pas l'objectif bonus. En vrai, y a quelques missions principales que tu pourrais faire, celles qui sont associées à des compétences. Oui, hein, soit oui. Attends. Alors déjà, j'aimerais bien récupérer de la vie, là. Elle est où, la plante qui traîne, là? Il y a toujours une plante qui traîne. Moi, je veux juste... Est-ce que ça a validé la mission, en tout cas? Oui, ça a validé la mission de... Oh, je vais vous laisser 5 minutes. Ouais, pas de soucis. Faut tuer les archers du... Ouais, c'est ça, en fait, il faut tuer les... Faut tuer les archers en premier, sauf que c'est... C'est jamais très évident. Bon, j'ai pas eu le bonus, mais... En soi, c'est fun. J'ai failli l'avoir, mais... En soi, non, c'était fun. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Non, non. Je parle. Voilà. Non, non, on débloque des trucs au moins pour continuer les trucs. Mais par contre, il faut que je débloque brutalisation, forcément. Si je veux finir les trucs de tour. Oh bon, il y a une mission qui est pas loin. On va aller la faire. L'image devient plus claire. On y voit ce qui s'est passé et ce qui se passera si on parvient à l'emporter sur la main noire. J'aime bien parce que c'est la voix de... Je reconnais cette voix, c'est la voix de Gordon dans certains jeux Batman, et c'est la voix de l'épouvantail dans certains jeux Batman. Ce qui est très drôle. Non, pas c'est la voix de Gordon dans les films, mais c'est la voix de Gordon de l'épouvantail dans certains... dans la plupart des itérations de Batman. C'est ça. Si t'as... Toi, tu y as joué à Injustice, du coup, t'as dû l'entendre. Et puis, c'est un de tes personnages. Du coup, forcément. Allez, allons faire cette mission. Mission secondaire. Libérons de l'esclave. Comment je peux libérer de l'esclave tout en attirant de le Hawk? Ils sont en train de chercher qui a fait ça, qui a tiré sur leur petit frère. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Ah, c'est pareil, j'ai l'objectif bonus, je pense qu'on va pas le réussir, mais bon. Merci, Robert.
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je crois qu'en plus c'est une mission secondaire, donc forcément c'est... Oh non mais là ils vont tous débarquer, c'est ça? Ah oh, ils ont décidé de tous venir débarquer là à l'improviste. Ils sont tous là. Oui, je t'ai parlé en fait, je te disais qu'une des voix des... Qu'une des voix du... Que la voix de l'esprit qui nous parle, c'est la voix de l'épouvantail de Injustice. Après une série de longs métrages plus ou moins importants, Andy Serkis obtient le rôle de sa vie quand Peter Jackson lui confie en 1999 l'interprétation de Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Andy Serkis prête ainsi durant 4 ans sa voix, ses mouvements et ses expressions faciales au personnage créé par Weta Digital. Jackson et Serkis renouvellent l'expérience en 2005 avec King Kong. L'acteur incarne cette fois le célèbre gorille géant. Ah oui, non, mais il a interprété tellement de singes, Andy Serkis. En fait, il a Andy Serkis, pour moi, c'est le spécialiste... César. C'est le spécialiste du... Re-Gollum. Attends, mais je peux tuer... Est-ce que je peux tuer un dernier orc? C'est le spécialiste orc d'avoir des diodes de, sur la tête. Oui, c'est et, ça. De rotoscopier après sur After Effects. Je sais pas comment on dit. Motion capture, voilà. Ah, mais ils sont tous merci là Luc. Ah oui, non. Là, ils sont pas distraits, là. Ils sont juste en train de vouloir me péter la gueule. Tire sur les mouches. La mouche. Utiliser la compo pour brûler 50 rooks. En fait, moi, je veux juste, avant de libérer le dernier otage, faire la distraction pour avoir l'objectif. Kaboom. Ah. Tu sais, il y a un objectif. Oui. Attends, bougez pas, je reviens, je me cache. Et on joue au cache-cache. Et je te libère. Encore 5 petites minutes de torture. Ah, le fumier. Oui. Pas grave. Caché, Tildin. Pardon, je reprends les mimiques du Lennon. De son let's play. De son let's play. Tu l'as tiré, c'est bon? Je crois que je l'ai tiré, mais là, il va... Il faut que tu le tues. Ah ouais, t'a vu. Ouais, il t'a grillé, mais ça, c'est pas grave, ça. Ah, mais là, ils sont chiants, punaise. Allez, ça marche. Non, ça marche pas, là. Ah non, mais je lui ai mis 6 flèches dans la gueule et il est pas mort. Oh. Il a décidé que non. Oh, le jeu. Le jeu qui refuse des flèches dans la gueule. On dirait Skyrim qui te fait une kill cam sur un lapin et qui... Et qui tue pas le lapin. Oh, c'est aussi décevant. Ah non, mais moi, ça m'a déçu. Et là, ils sont juste tous derrière moi pour... Pour vouloir ma mort, au dernier point qu'ils m'ont vu. Y'a pas un genre, un Uruk qui se balade là où il a pas à se balader? Je crois que développer une petite addiction à Injustice d'ailleurs. Et merde. Oh, ça va, il est bien le jeu. Putain, mais regarde, ils sont tous là! T'inquiète. Que je peux genre en attirer un et le buter. Que ça? Oui. Oh, oui, c'est bon! Oh. Je viens te libérer, mon pote! Oh oui! Assassin's Creed! Oh, l'exécution aérienne! Magnifique! Call me Ozio! Bon, bah. Ozio Rivenzi! Je crois qu'on est pas. Allez, vous êtes prêts à encore la bagarre? La bagarre et je te libère. Hein. Oh, non, mais... mec, ils sont 600! Oui, t'inquiète! Il y a plus de gens que sur la mission. T'inquiète! Fais exprès.
Alors. Bon, ça marchera pas. Mais y'avait pas un feu de camp quelque part ou un truc comme ça qui traînait? Salut les potes, venez! Et allez, venez! Tous! Go, 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 go! Go, go, fast! Go, go, fast! Ah non, merde, j'ai quitté la mission. Je quitte la mission. Tu n'échapperas pas, Osano! Je vais te trouver! Tu peux me croire! Bonjour. Apparemment, je quitte la mission. Alors, donc. les trois films ont reçu. Ah, c'est un. Oui, bonjour. Les trois films ont reçu 17 Oscars sur 30 nominations en tout. Je me tire. Ils sont 50. La communauté de l'anneau. Ah, ils sont 50. Il y a un boss qui arrive. Oh, mais c'est la merde. Mais t'as vu combien ils sont? Ils sont 50, il y a un boss. Non mais j'existe pas, que... j'existe pas, c'est pas vrai. Je vais juste libérer le mec là, ne faites pas attention à moi. En plus le gars, ils sont 50, tu le libères, il meurt en fait. Non mais j'ai réussi la mission donc c'est bon. Oui mais il va mourir. Toi tant que t'as réussi la mission. Meilleure photographie, meilleur effet visuel, meilleure musique, meilleur maquillage. Les deux tours ont reçu le meilleur montage sonore, meilleur effet visuel. Et le retour du roi, oh putain de merde. Le retour du roi c'est Titanic hein. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleur costume, meilleur montage, meilleure chanson originale, meilleur scénario adapté. Meilleure musique, meilleur maquillage, meilleur effet visuel, meilleur montage sonore. Oh les 11 Oscars. Tu vas crever ça. Lui il crève. Il est en train de nous faire toute la page Wikipédia du Seigneur des Anneaux là. je n'avais jamais. Enfin j'avais vu genre deux Iron Man et les Avengers. Du coup je me suis dit vas-y c'est peut-être bien Marvel. Donc je me suis dit je vais tout regarder dans l'ordre. Il y a 40 films et séries à regarder. Oh oui mais t'as, c'est vite, c'est. Je trouve c'est t'abuses un peu, y'a pas autant si. Non, après, là, je regarde. Le premier truc que j'ai regardé, c'était aujourd'hui, c'était le soldat de l'hiver. Ah, très bien. Non, Captain America, le premier. Qui est. Ah, oui, parce que tu regardes dans l'ordre. Oui, dans l'ordre. Et après, il y a la série Agent Carter, et le gars de la vidéo qui donne l'ordre de visionnage, il dit alors, Agent Carter, vous pouvez regarder, mais c'est pas indispensable. Hein. Ah, oui. Et moi, je me dis vas-y, je regarde tout. Ah oui, si tu veux regarder, oui. Oh, il s'est fait une tisane, le poteau. Bref, et du coup, oui, j'ai regardé le premier, et le méchant, c'est... Hugo Weaving. Ils l'ont pris parce qu'il venait de jouer le méchant dans Matrix et qu'il fallait la même gueule, hein. Non, non, Matrix c'est 2001, le dernier c'est... Il a eu d'autres trucs avant Matrix, hein, Hugo Weaving. Oui, mais ce que je me dis, c'est que du coup, comme il joue Red Skull, là... Oui. POV, Elrond à Milano. Ah bah c'est à peu près ouais, c'est Elrond à Milano hein, c'est. Ouais. Attends. J'étais là, Gandalf. J'étais là quand Captain America m'a pété la gueule. Mais en plus, c'est hyper frustrant parce qu'il lui a même pas pété la gueule. Attends, spoil, mais bon, le film est sorti il y a 15 ans donc. C'est bon, on peut spoil. Je pense qu'on peut spoil. Le premier Captain America, j'ai le droit. Oui. Non mais. Oh non. Toi, tout seul l'alarme. Non, il a voulu aller seul. Il y a toujours le boss. Ah non, mais. Non, il y a plus le boss, mais il y a toujours les. Il y a toujours le boss, mec. Comment ça, il y a toujours le boss? Mais non, bah, c'est. Regarde, non, c'est une. C'est une mission de boss. Ah, ok. Non. Putain, tous ceux qui essayent de partir donner l'alerte, je les bute. Je suis en train de buter Shrek. Putain. Autant les orques ils sont un peu vert saturés là. Vert saturé, t'aimes pas? Bah, il était très Shrek quoi. Ouais, lui il est très Shrek. Mais dans le deuxième, il y a. C'est pas un spoil hein. Dans le deuxième. Il est plus coloré et du coup t'as vraiment des Shrek quoi. Ah oui, il est. Bah ah non, en plus y a des nouveaux ennemis qui sont plus gros et Pardon. Je.
Il y avait des orques qui allaient me casser la tête. Moi, je veux juste récupérer les trucs qu'ils ont dans leur forteresse, là, les collectibles. Mais j'existe pas. Je viens juste récupérer les collectibles. Oui, je libère des esclaves. Non, c'est pas parce que j'en ai envie. Attends, quelqu'un m'a envoyé. Ah non, putain, mec, c'est dans le cerveau. Est-ce que je peux juste récupérer vos collectibles, bande de méchants? Whitelist. Nous réouvrons mouchoir demain pour bon, ça... l'acte 3. Ah, c'est faux. Non, c'est faux. J'ai menti. Ah, il a menti, le méchant. Il m'a créé de l'espoir. Ah là là. Et il y a quoi? Il y en a un autre? C'est juste une relique en face? Je sais pas si t'es... Sur mouchoir, il y a Azerol qui s'y est mis. Oui! Outlast, oui, j'ai vu. Le bâtard. Ça a fait beaucoup rire. J'ai vu. Oh, en plus, il m'a tendu une perche pour que je fasse ma pub, mais j'ai évité de mettre des liens. Oui, donc c'est bien fait. Je trouve que ça se fait pas trop dans les serveurs que tu connais pas. Ouais, c'est ça. Bonjour, je viens faire ma pub. Déjà, juste pour faire le truc de fin, j'étais en mode. Est-ce que je mets mon lien Twitch? Et j'ai fait, bon, à partir d'un moment, si je peux. Et du coup, là, je peux débloquer brutalisation pour faire la mission d'après. Brutalisation. Des spéciales de la justice. Ce n'est pas la justice. Ah oui, mais tu vas être sur fort. En fait, je faisais cette technique. Allez, moi, je veux juste débloquer les trucs. J'ai fait exactement comme toi. J'ai tout débloqué. J'ai fait les missions principales. Et en fait, après, tu roules sur les missions principales. Ah bah, on roule sur les missions principales, c'est pas grave. Brutaliser le garde. Des améliorations. Sans déclencher l'alerte. Tu vas voir, c'est génial, brutalisation. Oui, mais lui, il est. Il me regarde, lui. Genre il est en mode salut mon pote. Il te regarde mal. Non mais le truc c'est que j'aimerais bien aller le brutaliser. Mais il est en vue sur ma gueule. Genre il est en train en mode il est en train de me lurk. Donc je vais juste passer par derrière. Brutaliser le garde. Ah faut que j'aille brutaliser un garde. Sauf qu'il... Non c'est pas vrai, j'existe pas. Est-ce que je peux le... Non. Ah oui, donc je peux éliminer furtivement des gardes, mais par contre, l'autre, je dois le brutaliser sa mère. Le message de Khaleesi. Tu l'as lu ou pas? Non, enfin, dis-moi en plus et je te dirai peut-être. J+6, je reprends enfin la parole sur mon Discord. Tout va bien. Je réapprends à parler à l'ingénieur qui partage ma vie sans essayer d'éliminer les termes techniques. Pour faire genre... J'ai son niveau en informatique maintenant. Genre, livraison demain? Ouais, tu merdes quoi? T'as pensé à commit? Je n'ai pas écrit un prompt depuis une semaine. Bonjour Khaleesi. À quoi ça sert de prompter désormais? On dirait vraiment les alcooliques. Ah là là. J'ai aussi arrêté de regarder les panneaux de pub. En fait, tu joues à Toilette Princess en fait. Ouais, c'est ça, c'est littéralement Toilette Princess. J'entends des choses. Eh ouais, j'entends. C'est Twilight Princess. C'était aussi bien Twilight Princess. Je sais pas, moi je jouais à Twilight Princess. Mon pote il avait la Wii, mais moi je l'avais pas. Et des fois j'allais chez lui et il pouvait jouer. Genre 5 minutes parce que ses parents ils voulaient pas plus. Et du coup je le regardais jouer. Voilà, c'est ça mon expérience de Twilight Princess. Ah, regarder les gens jouer, ouais, je connais cette expérience là. Ouais. 5 minutes et vraiment le son à 1%. Parce que c'est pas en péter un cap sinon. Et l'autre, faut que je le brutalise. Mais descends pas mon pote, faut que je te brutalise. Brutalisation. Tu l'as mon pote? Non, là, je vais le brutaliser. Ah non. Non, c'est celui en haut en fait. Ah mais putain, mais j'ai du ping. Oui, pardon, t'as du ping. Mais là, je viens de le brutaliser normalement. Quoi? Je vais voir la brutalisation. Ah, oh non! Oh, je suis obligé de recommencer parce que j'ai donné l'alerte! Oh non, oh le bébou! A chaque fois, je pense à ce que je me disais, c'est là que j'ai commencé à passer des heures à regarder quelqu'un jouer à un jeu. Ah, ok, genre la fois où tu regardes ton grand frère jouer, c'était tes premiers let's play, quoi. Les premiers let's play, c'était son père. C'est vrai que mon père, moi, il jouait pas du tout.
sauf à un jeu qu'il a joué une fois, c'était le jeu Minecraft. La légende de Simba. Tu sais, le pirate, il y a eu un jeu qui était vraiment cool, qui a été fait sur le film. Et mon père, il jouait à ça. Et puis après, je l'ai plus... Si, il y a genre 3 mois, il a téléchargé un jeu de voiture. Et pendant que je conduisais, il était en train de taper son meilleur Need for Speed sur son téléphone, quoi. Ça m'a buté de rire. Merde, je crois que je l'ai brutalisé. Ah non, il parle de pizza. C'est pas évident d'éliminer furtivement les types parce qu'ils sont... Oh, tu la vois, pizza, elle suit entre mon pote. Ah, c'est vrai qu'il a sa pizza, lui. Ah, c'est pour ça que t'es parti 5 minutes, en fait. T'es pour ta pizza, en fait. Alors, j'essaie d'éliminer des gens furtivement. Parce que s'il balance l'alerte, je suis une de sauce. Attends mec, je te prépare un event. Je vais ouvrir un peu. Ça sera jamais mieux que les events de mouchoir RP. C'est bon, t'as fini. Mais je brutalise et apparemment ça élimine furtivement. Donc en soi, tant mieux. Oui. Oui, c'est une élimination furtive, la brutalisation. Il est où leur pote là? Ah, il est là-bas. Ah mais attends, mais je peux... Eux, je peux tous les défoncer d'un coup? Eh? Voilà, lui c'est fait. Twilight Creed, Princess Assassin. C'est à peu près ça, Twilight Creed. Oui, c'est à peu près... Si tu veux vulgariser le jeu, ouais, c'est... Je crois qu'on est plutôt bon. Oh, Zelda Kenway, là. Zelda Kenway. Eh, merci, monsieur Zelda. Eh, monsieur Zelda, vous avez récupéré les champignons pour ma poule. Elle a le cancer. C'est bon, j'ai fini la mission de la tour. Il reste quoi? Vas-y, c'est cette tour-là. Il reste 4. Oui, j'ai fini cette tour de forge. Pied, je crois. J'ai fini cette tour de forge. Les filles des forges. Oh, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La 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 la. Bon, allez, maintenant, cette zone-là. Parce qu'apparemment, j'ai fini cette tour-là. Oui, j'ai fini cette zone-là. Attends, il y a combien de grandes zones? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 grandes zones. Si j'en fais 3 aujourd'hui, on est bon. J'ai mis trop de sauce qui pique, putain. Ah. Ah là là. Ah là là, je vais passer un mauvais moment. Oh chiotte. En effet, la sauce qui pique. Dangereux. La bête que vous chassez se trouve à proximité. Mais comment ça je traque une bête? Ah, je traque un troll et genre il est pas loin. Par là, est-ce que je peux faire le tour? Oui, je peux faire le tour, mais par là je peux faire le tour. Ah mais le jeu est vraiment cool, j'aime bien. Oh, le jeu est trop bien. Ah mais... On fera les DLC aussi. Ah, j'ai jamais fait les DLC de l'ombre du Mordor. Bah en fait il y en a quelques-uns je crois. Donc on les fera. On fera pas les missions. Non mais je suis pas là les gars. Je suis vraiment pas là, je vous jure, je suis pas là. Je suis pas là, 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 là. Bon. Je suis libre. Oui, tu es libre. C'est vrai que je viens de les déglinguer à coups de lance-flammes. Ah ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Le matou, tu restes en bas ! Ils sont... Comment on monte sur un matou ? J'ai débloqué l'amélioration, mais je me souviens plus. Appuyez sur CTRL-G pour sauter sur le dos d'un Karagorg. Bah allez ! Allez ! Alors, je veux juste courir, hein. Ah, quels sont je... Tu peux récupérer le truc ou pas?
Non, je crois que je suis obligé de... d'abandonner ma bête. À collecter 25% des artefacts. Les rôdeurs du Rond d'Or ne sont pas seulement de puissants guerriers, mais ont de nombreuses autres responsabilités à travers le royaume. Selon les circonstances, un rôdeur peut être appelé à servir des médiateurs, de juges, de médecins et parfois d'enseignants. Dans le prof mais d'histoire. Il ne servira pas de radiateur. Les rôdeurs transportaient des livres d'apprentissage basiques et lors des séjours dans les villages où les occasions de s'instruire étaient rares, ils sélectionnaient quelques élèves privilégiés à qui ils apprenaient à lire. D'accord. Bon bah j'ai récupéré 25% des collectibles du jeu. On a donné une chance aux exilés de fuir le Mordor, de rejoindre la sécurité du Gondor. Et on peut attirer l'attention de nous. Ah mais je suis en train de retourner en arrière en fait là. Pas bien. Déverrouiller la compétence drainage de combat. Ah, il faut que je déverrouille une compétence pour attaquer des gens. Est-ce que je l'ai? Elle est où, drainage de combat? Ah, ça, c'est drainage furtif. Ah, il faut que je débloque du pouvoir. Ah, dommage. En fait, il faut que je débloque des trucs pour pouvoir... Ah, on fera pas tous les trucs aujourd'hui parce que j'ai pas les trucs nécessaires. Gagner du temps à la terre du milieu. Après un combat, j'ai besoin de nourriture et de drogue. De drogue ? Après un combat, j'ai besoin de drogue. Non mais on est potes, je te jure on est potes. Enfin, tu vas peut-être pas l'accepter mais on sera potes. Accepte ma puissance ! Bah là, on est potes. T'es là encore, Jésus? Ouais, je suis là. Il est juste en train de mourir à cause de la... Salut! En train de crever. Ah, ça fuit, hein! Ah, ça fuit, hein! Ah, ça fuit, hein! Allez, ah, putain, elle fuit, là! Ah, quand y'a un... POV, tu es un évier. En effet. Je suis en train de drainer mon animal. Mais d'où vous voulez buter petit tonnerre là? Ils veulent faire du mal à Petit Tonnerre. Petit Tonnerre, à table. Est-ce que tu as vu la web-série Les Opérateurs? Oui, moi je l'ai vu. Ok. Ça marche. Ok, oh. Leven, t'es prêt. J'ai tué Petit Tonnerre. Entre les Opérateurs et l'épopée temporelle de Cyprien. Les Opérateurs. Choisis quoi? Les Opérateurs. Non, oui, si, les opérateurs. Entre la Noob et Flanders Company. Flanders Company. Entre Clyde Vanilla et le secret des Balls. Le secret des Balls. C'est quoi à bout portant selon eux? Entre le visiteur du futur et la théorie des balls. Le visiteur du futur. Mais okay. Ça c'est pour... Ah c'est pour vraiment être en face. Entre les opérateurs et la Flanders Company. Flanders Company. Entre le secret des balls et visiteur du futur. Visiteur du futur. Entre Visiteurs du Futur et Flanders Company. Flanders Company. D'accord. Ta web série française préférée est Flanders Company. Oui. Voilà, j'ai mis 6 ans à préparer cet event. Bisous. Ah ouais? Je pensais mec le Visiteur du Futur t'as été à l'avant. Ah mais punaise, mais ils vont me faire louper mon objectif. Je veux juste l'objectif des 10. J'ai 10 secondes. Je reviens. 10 secondes! Tu as 10 secondes pour tuer.
Tu as 10 secondes pour mettre ta chaussette. T'imagines, t'as des objectifs bonus dans la vraie vie, tu sais. Oh, j'ai réussi pour, oh, pour te laver les mains. Attends, je revois l'action. Ah, une seconde, j'ai réussi l'objectif bonus. Allez, salut les clampins. Parce que c'est la vision elfique, ça arrête le temps vraiment, en fait. Même dans les objectifs bonus. Attends, mais y'a un clampin qui sait des choses, lui. Y'a même deux clampins qui savent des choses. Oh, la pêche aux infos. Donc toi, tu crèves. Putain, je savais pas que... Même ici, je savais. La web-série, j'ai jamais su dire non. C'est dans le cycle des balls. Si. Enfin, c'est dans la... C'est oui, la première du cycle des balls. Oui. Je l'ai vu en dernière. Oui, parce que c'est pas la plus intéressante. Non. Le secret des balls est incroyable. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que le donjon de Nelbuck c'est une web-série? Oui, c'est vu que c'est une série audio, oui. Eh non, c'est pas le visiteur du futur, ma série préférée. Même si elle est incroyable, saison 3 incroyable, les Flanders a un côté fun. Ouais. Mais comment ça, je connais déjà leur faiblesse? Ah non, lui, je connais pas ses faiblesses. C'est quoi tes faiblesses? Le Nidastico? Ah, il a peur. J'ai des problèmes. Oh, il a peur du corps à corps. L'impuissance. T'as imagine ça dans la vraie vie, oh, faiblesse et force. Impuissance. Force. Grosse bite mais impuissant. Bah alors ça s'annule, tu sais. La puissance du Flanders, c'est qu'elle est vraiment intéressante. En fait, c'est drôle quand t'aimes bien les comics et que t'as beaucoup de refs. Et je peux comprendre que pour certains ça. Ouais. Elle a, et le vraiment c'est vraiment pas si t'aimes pas ça fait très vieux les saisons 2 jusqu'à la saison 4 ça fait très vieux hein, c'est faut apprécier regarder une série en 720p contrairement à vous accrocher ouais contrairement aux visiteurs ouais bah bon théâtre Hugo ouais non faut vraiment s'accrocher d'une certaine manière Puis les premières saisons sont pas incroyables non plus. Enfin, la première saison elle est vraiment pas incroyable parce que la première saison faut vraiment. Ça doit avoir un truc qui m'a fait rire. Tu vas comprendre. Ah mais t'as le Karagorg qui va finir capitaine de Sauron. Oui bah c'est bon, hein, faites du bruit, moi je vous écoute pas. Vous êtes pas intéressant les gars. Je vous ai déjà dit que vous m'intéressiez pas. Je crois que vous venez de le comprendre. Hey, les nazes, c'est quoi ça? Une brûlure au troisième degré? Ce soir, mamie, c'est orc farci. Farci à quoi? Mon poing dans leur gueule. Boucle de manteau de rôdeur. Oh, c'est trop mignon. Oh, il a récupéré sa petite bouclette. Ce qui me fait chier, c'est que je vais pas pouvoir faire tout le truc parce qu'il me... Je peux pas parce que cette mission, il faut que j'ai drainage de combat. T'es prêt? Vas-y, j'écoute. JDG ou étoile? Ah et devenir un rôdeur. Ah, ça... Pas une fin ça commence mal. Enfin, ça commence bien et en même temps mal. Étoile.
Zerator ou Bagheera Jones? Je sens qu'il va éliminer toutes les femmes, ce groupe. Ouais, c'est facile à dire, hein. Non, Zerator quand même. Ok. Mintos ou angle droit? Non, angle droit. Angle droit, plus angle droit. Antoine Daniel ou Horty? Ah mais putain, mais c'est quoi? C'est quoi ces dilemmes qui commencent super mal? Parce que putain, t'es... T'inquiète, le dernier sera plus facile. Non mais t'aurais mis genre... Oui, j'ai mis un peu... J'ai un peu fait chier, ouais. Bah ouais, mais tu casses la tête, enfin... Horty ou Antoine Daniel? T'aurais mis un... angle droit Horty, j'aurais tout de suite su, mais là c'est... Putain, bah Antoine, hein. Ok, là c'est facile. Mister MV ou 1-2-3 lunatique? 1-2-3 lunatique, comment ça, mon ref? Comment ça? Hein? Bah hein, c'est un bon youtuber, un bon streamer. Qu'est-ce que tu... Hein, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bah le... Peut-être 1-2-3 lunatique, le problème. Allez, je garde Mister MV, quoi. Oui, bah oui, tu vas garder Mister MV parce que du coup... Ok. Et putain, mais... Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 5, s'il te plaît? Entre 1 et 5? Ouais. 3. Ok. Étoile ou Zerator? Étoile. Putain, mais je m'en fais... Antoine Daniel ou Mister MV? Attends, quitte la mission. Antoine Daniel ou Mister MV? Antoine Daniel. Ok. Tu peux me donner un chiffre entre 1 et 3? Entre 1 et 3... Entre 1 et 3... Bah en 2 du coup, vu qu'il est littéralement entre 1 et 3. Ok. Étoile ou angle droit? Étoile. Étoile ou Antoine Daniel? Ah putain. Ah tu fais chier. Bah c'est toi qui as choisi, mec, hein. Antoine Daniel. Antoine Daniel. Okay. Je touche dans son humour que celui d'étoile. Non, je suis plus dans l'humour d'étoile que... Enfin, d'Antoine... Ton streamer préféré de la team du lundi est Antoine Daniel. Bah, apparemment. Il semblerait. Il semblerait que oui. Chevaucher le caragor? Bon, ça, il faut que je chevauche. Salut, mon pote! Allez, petit tonnerre! On part à l'aventure! Quoi? Ah, faut que je tue des Uruk-hai. Enfin, des Uruk à coup de. La main nue, mais. À coup de Karagorg. Oh, ça va leur rouler dessus, hein. Encore de la pizza plus. Putain, j'embarque une fuite de micro. Je peux pas me commander une pizza, je te donne mon adresse. Ah, faut que je les tue à l'arc depuis ma monture. Je roule jusqu'à un pizza, c'est une dinguerie. Dinguerie, mon pote. Vas-y, je cherche quel autre tournoi je pourrais faire. Tête. Xavier Dupont de Ligonnès ou Michel Fournier? Tu sais que j'allais faire un truc pareil. Ah bah, j'étais en train de chercher équipe de France 98. Ouah, mais vraiment, j'aurais aucun... Zidane? Zidane ou Zidane? 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 Je dirais Zidane quand même. Les auteurs de théâtre. Shakespeare ou Molière? Oh ouais.
Brecht ou... Ah non, mais par contre, je peux faire ça. Bertolt Brecht ou... ou Ionesco. Oh non, mec, je sais. René Ozzy ou... Aurel Rotival. Ah oui. Ah, Ozzy quand même. Il était marrant. J'ai pas les noms des autres profs. Merde, j'ai... Merde. Mais non, mais je vais pas voler la... Bah apparemment si, du coup. Tire d'elfre qui... Oh, t'as volé l'âme de ta pauvre monture. Bah apparemment oui. Sale merde, t'es un monstre. Apparemment je dois et j'ai l'impression que je vais... Allez, j'ai encore 2 minutes pour... Ah mais non, parce qu'il me reste 2 minutes et j'ai encore quelques flèches. Il faut juste pas que je me trompe. Apparemment, j'ai volé l'âme de ma monture. Mais c'est pour le travail. Ah, oh, dégagez, c'est bon. Je vous connais pas, vous me connaissez pas. Y'a personne, c'est bon, allez. Le Mordor, il est plus vénère dans le Seigneur des Anneaux. Là, il y a encore de l'herbe, il y a des trucs stylés. Mm. Oh, il est pas 1000 fois plus vénère dans le Seigneur des Anneaux, le Mordor ? Non. C'est que dans les films, on voit qu'une région du Mordor qui est vénère, en effet. Mais il y a des régions verdoyantes. Dans le Mordor. Notamment des régions qui servent de champs pour nourrir les Uruks. Enfin, les armées de Sauron. Alors, j'ai ce truc-là. Par contre, j'ai débloqué une compétence. On va essayer de voir ça. En fait, ce qui me manque... Oula, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de mithril en soi. J'avais pas pris en compte que j'avais... Beaucoup de points, le gars. Comment ça, beaucoup de points? On augmente la concentration, on augmente les trucs, on augmente les runes. Voilà, j'augmente encore les flèches parce que j'aime les flèches. Est-ce que j'ai une rune supplémentaire qui s'est ajoutée? Non mais c'est bien les runes. Je joue pas trop avec les runes, même si je devrais plus. En vrai, vu que je leur roule déjà dessus... En fait, moi je veux juste des trucs qui émanent de la santé. Et bon. Et du coup, compétences, du coup, normalement... En fait, il me faut la compétence drainage de combat. Mais il me manque le coup final de combat, et de toute façon, je peux pas, parce que le rang, il est dans 280 points de pouvoir. Mais, on va quand même prendre drainage furtif, parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir ensuite drainage de combat. Ah, il y a une... Touche chasseur de cargo. Oh, ah mais c'est... Faut que je débloque en jouant l'émission principale. Oui. Et t'inquiète, on les jouera. Bon. Petit tonnerre, t'as été bien gentil avec moi. Mais il est l'heure de mourir. Je lui donne une fin satisfaisante. Une fin heureuse. Il aura servi à quelque chose. Je crois que je l'ai brutalisé et ça a fait peur à son pote. Et je crois que son pote vient de le buter. Je suis pas sûr, hein. Est-ce que t'es en train de chercher la liste des auteurs de théâtre? Presque. Willy ou Kalessi? Dufresne ou Sylvain? J'ai dit au capitaine qu'on pourrait s'entraîner à monter sur les groupes. Si l'immortel peut les chevaucher, on pourrait pouvoir aussi. On se fait surnommer l'immortel. Benvolio ou Mercutio? Benvolio. Ah ben là tu vas. Là si tu me donnes tous les noms, ça va finir en Benvolio très rapidement. Hein.
Roméo ou la nourrice? Roméo. J'aime beaucoup la nourrice, elle est très gentille. C'est même un des persos les plus gentils. Juliette ou le comte de Paris? Est-ce que je peux... Le comte de Paris, je sais pas. Bon, ça a pas marché, je crois. Il va être un peu chiant cet objectif. Pas se mentir, il va un peu me casser la tête. La tête. Qu'est-ce que c'était? Tu viens, mon pote? Je t'ai attiré, normalement tu dois venir. Bisous. Bisous, man. À moi? Tu me dis bisous? Non, au mec que tu viens de tuer. Ah! Il y a 5 minutes à peu près. Du coup. Balkany ou. Kadhafi? Waouh! Ça accélère très vite! Je cherchais Bernard Tapie, mais je l'avais pas. Et je viens de le trouver là. Balkany ou Bernard Tapie? Ouah, ça escalade très vite, les gars. Je sais comment on va jouer. On va changer un peu. Ça va être plus facile. Oui, je suis dans le coin. Je sais pas comment te tuer, toi. Ça l'a pas tué, enfin ça l'a tué mais ça l'a pas, ça m'a pas compté. Ah si, ça m'a compté le kill. Ah ça va, je suis content, ça m'a compté le kill. En fait j'essaye de trouver les endroits où je peux avoir des kills, on va dire faciles. Parce que là la zone militaire de l'endroit, un peu compliqué de faire un kill. Complicado. Tu vois ce que je veux dire? Genre ils sont 26 000 dons. Apparemment. Frodon. Takra. C'est tier S, tier A, tier B, tier C ou tier D. Frodon? Saké, la comté là? Ouais. On va renommer les trucs. C, ça va être PTDR Teki. Ah là si tu me parles de tous les personnages ça va être pas être évident. Ouais bah là j'en vois, tu vas peut-être pas les connaître. Ouais si, mais en plus sur d'un on a même pas leur nom. Pue la merde. C'est tier D. B obligé d'exister. Ah y a un tiers, c'est genre son existence est obligatoire. Oui. Sympa. Et fais-moi l'amour, putain. Quelque chose vient de bouger par là-bas. Donc Frodo, tu le mets dans fais-moi l'amour, putain, sympa, obligé d'exister, PDDR Teki ou pue la merde. Obligé d'exister. Les aigles. Fais-moi l'amour, putain. Aragorn, fils d'Arathorn, roi du Gondor. Oh. Sympa, fais-moi l'amour, putain, obligé d'exister. Sympa. Personne peut surpasser les aigles. Gripoil, le cheval de Gandalf. Non, mec, je connais le nom du cheval de Gandalf, ça me fume. Eh ben, je crois que ça va aller avec les aigles. Hein. Fais-moi l'amour, putain. Avant ou après les aigles? Faut bien passer du coq à l'âne, non? Allez, avant, après. Boromir. Boromir, Boromir, c'est genre le type qui est corrompu un peu par l'anneau? Viteuf. Ouais, celui qui meurt dans le 1. Ouais.
besoin d'exister, genre. Avant ou après Frodon? Avant. Enfin, Frodon est mieux. Ah, oui. Frodon est mieux. Oui. Okay. Comment ça s'appelle lui. Comment il s'appelle? L'agent Smith dans Matrix. Ah, Elrond. Je savais comment il s'appelait, mais j'ai cherché Agent Smith dans Matrix. Ah, il est sympa, mais genre, ça reste un elfe, donc ça reste quand même un type, t'as envie de dire, bah, va te faire foutre, quoi. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais très mauvaise idée de faire ça, monsieur. En pleine forteresse. Donc, Elrond, obligé d'exister? Ouais, tu vois, il est un peu obligé d'exister parce que... Bah, c'est un elfe, mais c'est quand même... Genre, c'est pas lui qui va... Lui, il dit, oui. Quelqu'un doit aller jeter l'anneau, mais lui... C'est pas moi qui m'en occupe. Et puis même, le jour où il avait la chance de le jeter... Il y a un personnage, je sais déjà où tu vas le mettre. Le jour où il avait la chance de le buter, il l'a pas fait, enfin... Gollum. Gollum. Fais-moi l'amour, putain. Ah, quand même. Je sais pas si c'est fais-moi l'amour, mais... Je peux rajouter une catégorie. Hein. Fais-moi presque l'amour. Je mouille. J'ai libéré un Karagorg juste pour le buter après. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Bon, elle est où cette rune là? Elle est en dessous? Non. Alors lui, j'ai oublié comment il s'appelait. Mais c'est le mec de Galadriel. Ah! C'est un elfe. PTDR Teki, enfin, j'ai envie de dire. Si même pour toi c'est un PTDR Teki. Et Homer. C'est qui lui? C'est le cavalier du Rohan, le beau-frère du roi. Oh. Aucun souvenir. Celui qui arrive avec Gandalf, les sauver. Bah, aucun souvenir. Pour moi, c'est un PTDR. Après, j'ai pas trop regardé, je connais que. Allez. Je le choisis pour toi, je le mets quand même devant. Parce allez, que, je vais te faire un. Choisis-le pour moi. T'en auras plusieurs des comme ça parce que. Rose Myrta, la meuf de Sam Gadji. Besoin d'exister. Oula, non mais. Ouais. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Elle a pas besoin d'exister même, hein. Moi je l'aurais mis dans PDRT qui. Mais bon. Allez, besoin d'exister. Elle a quand même une importance à la fin, mais. Gandalf. Bah fais-moi l'amour. Ça reste un dieu, hein. Pas un semi-dieu, je crois. Non, même, c'est même un dieu. Bon. C'est un serviteur de dieu. Oui, non, mais c'est un dieu... Oui, il est immortel, il a des pouvoirs. Ça reste un dieu, un autre dieu, quoi. Enfin, c'est... Enfin, un dieu pecno, quoi. Et Galadriel. Elle est corrompue, quand même, un peu. Non. Bah, à la place... À la place d'une oui, reine. Oui, si on passe un petit pétage de câble parce qu'elle avait sa ménopause. À la place d'un roi, ça sera une reine. Bon. Oui. Bon. Oh, bah, elle s'est calmée, comme Boromir. Tu la mets où, du coup? Besoin d'exister, comme tous les elfes, en fait. Du coup, Gollum, tu le mets dans Sympa? Ah ouais, Gollum, il est sympa, je trouve. Bah, Gollum, sans lui... Lui, il est pas nommé. C'est le capitaine... général du roi du Rohan. Peut-être qu'Irgon n'aurait pas eu besoin de déserter. Peut-être qu'ensemble... Il est pas nommé. Pour le retour de Sauron. Il est pas nommé. Les hommes ne connaîtront sûrement jamais. Bah, PTDR Teki. Ah merde, c'est un Karagor, c'est pour ça. Le roi sorcier d'Angmar. Ouais, stylé quand même. Stylé de fou le roi sorcier quand même. T'en fais-moi l'amour. Ou stylé de fou, je peux faire une autre catégorie si tu veux. Bah, ouais, stylé de fou, enfin, je veux dire.
Je pense que stylé de fou, ça lui va bien. Je suis une catégorie. La catégorie stylé de fou, ça lui va parfaitement bien au roi sorcier, je pense. Ah merde. Attends. Comment on ajoute une catégorie? Je ne sais pas. Je crois que c'est pas possible. Ah, reset. Vous êtes chiant les gars, je vous le dis, vous êtes chiant. Bon, j'arrive pas. Donc on va le mettre... Non mais il y en a un qui vient venir me casser les couilles parce qu'il va appeler tout le monde parce que je suis dans une forteresse. Arrêtez Oula. De casser la tête. Et Rima, langue de pute, langue de serpent, pardon. Besoin d'exister, il se fait marre même par son chef. Je le mets où entre... C'est en tout, genre c'est le dernier qui a besoin d'exister quoi. Ok. Il est pas nécessaire, il est pas... Il fait rien de... Alors, lui pareil il est pas nommé mais c'est un général elfe qui vient aider pendant le gouffre de Helm. Ah bah je te laisse le placer pour moi parce que... J'aurais mis dans PDRT qui. Ah bah... Alors pareil. Avec l'autre général. Là c'est un Uruk qui n'est pas nommé et c'est celui qui veut manger Merry et Pépin. Putain mec, je me souviens de ça. Ça vaut vraiment le coup Attends parce que je dois tuer des Uruk par élimination aérienne. C'est les... Ouais les éliminations furtives aériennes. Tu dis en gros tu... Il est en contrebas et... Par exemple, eux, si tu montes sur la caisse, ça peut marcher. Oui, mais là, il vient me... Faut que tu te mettes en sneak. Ouais, non, mais... Ah. Bah, disons que j'étais un peu in the sauce, quoi. Ouais, in the saucisse. Oh, mais ça va être gentil. Oh, ouais, tu l'as brutalisé. Ok, Théoden, roi du Rouen. Ah mais c'est un... Ah mais c'est pour ça. Quoi? Ah oui c'est un... Lui j'ai essayé de le tuer mais c'était un... Ça a pas marché mec. Bizarrement. Cram. Salope. Ça va tu lui as enlevé toute sa vie Donc nous étions à Théoden roi du Rouen. Bah je l'ai tué. Tout simplement, je viens de le finir. Finito. Nito. Non mais je vais relancer ma mission les gars. Ouais on va faire ça. Arrêtez c'est bon. J'ai gagné 4 pouvoirs, c'est bien. Éléonore. Allez. J'ai relancé ma mission les gars, c'est bon. Plus. Non parce qu'en fait j'ai voulu en éliminer un furtivement de en hauteur. Mais sauf que c'était un chef. Et sauf du coup, que c'était un leader de saut quoi, donc forcément. Théoden, roi du Rohan. Ah, Théoden, c'est celui qui est corrompu mais qui revient à la, oui. À la raison à la fin. Oui, le sang. Où était le Gondor Oui, c'est lui. Bah, le sang. Le sang de la veine. Le deuxième général de Théoden qui se fait buter aussi. Ah, bah là, lui, je te laisse le placer pour moi parce que. PTDR des qui avec l'autre. Sam Ganji. Ah, Sam. Sam fait. Sam, la chanson officielle de Sam, c'est « Fais-moi l'amour, darling, ce soir !» Attends... Avant Gandalf, genre en premier. Ouais, même en premier. Okay. Hein. Meryl, c'est celui qui chante? Non, c'est autre. C'est Pipin? Ben, disons ouais. Qu'ils sont... Ils ont besoin d'exister dans la franchise, quoi. Tous les deux obligés d'exister. Ouais, ils sont tous les deux dans devant les elfes et derrière Frodon. Ouais, devant les elfes et derrière Frodon. Tu vois, lui, il a besoin d'exister, genre. Il est pas nécessaire ouais. Dans l'histoire. Quoi. Putain, enfin, il y en a un, je sais même plus qui c'est. Ah si, putain, c'est le bras droit du frère de Boromir. Oh putain. Ah ouais, mais bon, si c'est le bras droit du frère de Boromir.
Là il y en a plein, c'est des pétés de Rafiki. Il y a un orc. C'est l'orc qui enlève Merry et Pipin. Bah pété des RTK hein. L'orc qui tue Boromir. Lui il est quand même important dans l'histoire. Lui il est sain. Il est grave stylé avec le roi sorcier. Parce que c'est pas un orc, c'est un urukai qui Oui. Bah lui c'est l'urukai avec le visage. C'est le premier urukai avec la main peinte sur le visage. Oui c'est ça. Ouais, c'est le. Lui, il est stylé de fou. Ouais, c'est. Je pense qu'il a pas. Il a pas mieux. C'est stylé de fou comme le roi sorcier d'Angmar parce qu'il a quand même une importance dans l'histoire. Il est plus important que Merry et Pipin quand même. Ah, c'est bon, j'ai trouvé comment ajouter une. Stylé de fou. En dessous de Fais-moi l'amour, putain. Je suis en train de. Ah, j'ai débloqué la phrase de la dague. Oh oui. Une dague secrète dans la nuit. Vous avez complété la moitié de la légende de votre dague. Arcane a été reforgée par Acab. Le spectre. Et son histoire a été gravée sur sa lame. Complétez-les pour forger la légende de votre dague. On va l'appeler Acab, la dague. Moi, ce que je trouve stylé de la dague, c'est que c'est l'épée cassée du fils de... De comment il s'appelle? De Talion. Et je trouve ça ultra stylé dans le lore. Putain, comment il s'appelle Il me reste là. Comment il s'appelle? Il est important en plus. Éclair spectral. J'ai oublié, c'est le père de Boromir et de Faramir. L'intendant du Gondor. Ah, l'intendant du Gondor. Ah ouais, mais lui c'est une grosse merde. C'est une grosse merde, il n'y a plus la merde. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est une merde monumentale aussi en termes de... Oui, oui. En termes de humainement, c'est une merde. C'est celui qui fait chanter. Pipin, du coup. Oui. Ah non, grosse merde. Plus la merde. Grosse merde. À côté de l'autre, là. De Grima Langue de Serpent. Ouais, à côté de lui. Vas-y, plus la merde aussi. Ah, mais les deux, c'est vraiment des sourates. Le Balrog. Ah, le Balrog. Stylé de fou. Ouais, un peu quand même. Legolas. Avec les autres elfes. Non, Legolas, stylé de fou. Legolas, sympa, tu vois ce que je veux dire, genre. Ah, sympa, ok, bah sympa. Là. Ah, avec Aragorn. Ouais, tu vois. Oui. Toi, reviens, toi, hey, reviens. Reviens, grosse merde. Sauron. À ce rond, stylé de fou. Mais il veut. Ah, mais il fuit cette sous-merde, fuit. Et elle est où? Mais reviens, reviens sous-merde. Le roi. Des revenants. Stylé de fou. Appelle. Parce que c'est le roi des revenants, quand même. Donc, ouais. Il est forcément stylé de fou. Bon, qui je connais pas les faiblesses là? Je connais tous vos faiblesses? Bon, je vais aller mettre des orques dans PTDRT qui. Allez! Pour toi. Ou boucle petit, hop. C'est bon. Le barman de l'auberge du poney qui tousse là. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Tu la mettrais où? Tu mets où le barman moustachu? Je te le laisse parce que pour moi c'est un PTDRT qui. Hein. C'est un PTRT qui. Hein. Vraiment. Erwen. C'est la femme de. C'est la. Celle qui voulait le pécho mais il était déjà pris. Qui donc? Aragorn. Ah oui. Elle voulait pécho Aragorn, mais Aragorn est fidèle. Aragorn fidèle? Oui. On n'est pas sorti du plus longtemps celle-là. Demande à mes potes si Aragorn est fidèle. Donc Erwen, c'est celle qui tue le roi sorcier d'ailleurs. Ah! Oh bah elle mérite tous les applaudissements cette dame.
Allez, fais-moi l'amour, putain. Bah, attends, je ne suis pas un homme. No man can kill me, I am no man. Elle mérite tous les applaudissements c'est du monde. C'est elle qui dit ça. Sylve Barbe, Lent. Oh, très... sympa. Oh, ouais, même... ouais, enfin, je veux dire... besoin d'exister, c'est un opportuniste de fou, le type. Ok. Bah, son... besoin d'exister derrière les hobbits. Ouais, enfin, je veux dire, il va à la guerre uniquement après qu'il se rend compte que ça... que ça... sa maison a brûlé, quoi. Que sa maison a brûlé, quoi. Enfin, il aide personne et il est un peu en mode... oh non, mais j'aime pas les gens, moi. Bilbon Saké. Bilbon ? Ouais. Bah, Bilbon, il va en dessous de Fais-moi l'amour, mais... bah, il est important, quoi. Sympa. Ouais, il est important, ouais, il est sympa. Enfin, il... dans l'histoire, c'est lui qui donne le mithril, c'est lui qui donne la... il donne tout, quoi. Il donne tout. Bah, il donne même l'anneau, et c'est un des rares qui a accepté de le rendre à la fin. Qu'il l'a abandonné. Bah, c'est un des rares qui l'a abandonné. Boromir, moi j'adore ce personnage juste pour sa fin, je le déteste jusqu'à ce qu'il meure. Parce que il accepte de rendre l'anneau et il meurt pour ça. Oui, c'est ça. A été corrompu. Il y en a plein qui acceptent l'anneau, qui n'acceptent pas l'anneau. Enfin, il y en a plein qui refusent, qui veulent l'anneau, et Bilbon, c'est un des rares qui le refuse. Enfin, on peut l'applaudir pour ça, je pense. Saruman. Ah, Saruman, gros. Je le mets sous Gandalf. Ouais, tu vois, c'est une merde, mais bon. Et Gimli. Gimli, c'est... ah, c'est bah Gimli, Gimli, il me fait la mort quand il veut. Entre... ça te va entre Sam Genji et Gandalf ? Ou tu veux le mettre sous Gandalf ? Sous Gandalf, quand même. Ok. Sous Saruman ? Sous Saruman, non, il est quand même au-dessus de Saruman. Est-ce que... Erwin la met devant Gimli ? Attends, mais Gimli me fait I am no man. Ah oui. Non, oui. Il est devant I am no man quand même. Ok. Dans la mesure où... elle a la buté boucle de Sauron. Elle a buté le roi sorcier d'Angmar quand même. Ouais. On peut pas lui reprocher. On ne peut que l'applaudir pour ça. Hein. La bouche de Sauron, je la mets où? Ah, la bouche de Sauron, non, vraiment, enfin, c'est un king bizarre, mais non, même pas. Même pas un king, tu vois, c'est genre. Non, vraiment pas l'envie. Pas. Non, pas plus que ça, tu vois, donc. Tu la mets dans sympa, mais sans plus, quoi. Allez, sous. Sympa, mais tout dernière de sympa, quoi. Non, style ouais. De fou, du coup. Elle va dans style de fou. Ah, style de fou, c'est au-dessus de sympa. Ah bah, tu la mets dans style de fou. Première, dernière de style de fou. Ok. Attends, tous les généraux de Sauron, ils sont stylés. Faramir. Faramir, c'est l'abandonné, là le... oui, c'est l'abandonné. C'est le frère de Boromir, c'est le mauvais fils qui est mort. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est le mauvais fils qui est mort selon l'intendant, qui est un gros con. Oui. Mais qui est un héros quand même. Eh bah, sympa de fou alors. Sympa. Son père le détestait, il a montré sa vaillance et. Et comment elle s'appelle la femme d'Aragorn? Oh, la femme d'Aragorn, elle est juste dans le besoin d'exister. Hein. Obligée d'exister avec les autres elfes. Oui, allez. C'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle Arachné. Est... Arachné. J'ai dit entre style de fou et quand même, sale bête, va bien te faire enculer. Pue la merde. Elle se fait battre par un hobbit. Oui. Sauron, il aurait pas quelque chose à compenser quand même? Si, peut-être. Une gros... juste des... je sais même pas par où passer là, il me casse tous la tête.
Si je passe par là, ils sont en mode et si je passe par l'autre côté, ils sont en mode même pas par où passer. Moi, je suis juste en train de faire les collectibles là. Ah mais ils sont... Ah c'est des flippettes. Mais t'es une flippette. Mais t'es une... Mais oh mais c'est des grosses flippettes quand on brutalise en fait. Du coup Arachné je la mets dans ce style de fou. Ouais tu... Sous la bouche de Sauron. Ouais tu vois. Allez save. Allez j'ai libéré un Karagorg. Download the image. Dans The Blue Lab. Après j'ai pas vraiment lu ni vu le Seigneur des Anneaux. Je connais bien l'histoire, je connais bien le lore, je connais bien tous ces trucs là, mais... Eh hey, mon pote, tu t'es déjà fait brutaliser la gueule? Salut mon pote. Alors... Elle est où la truc pour la porte là? Téléchargement. Moi si je la fais, c'est pas exactement la même liste, c'est presque pareil en vrai. Oui, ben après toi, c'est parce que tu connais mieux l'univers que moi, enfin. J'aime bien comme on m'appelle l'immortel ou le rôdeur. J'aime bien les noms qu'ils me donnent. Ah, j'ai bientôt fini la porte. Ah non, pas du tout. Je suis à 13 sur 32. Pas du tout bientôt et fini. Je sais pas si t'as remarqué, mais au début, ils t'appellent beaucoup le rôdeur ou des trucs comme ça. Et l'immortel, ça vient après, avec ta réputation. Ouais, ouais, j'ai eu quelques l'immortel. Parce que comme on te tue et tu reviens, ils ont commencé à se douter. Ouais. Vas-y, je vais la faire, moi, là. Je vais reset. Morceau de panier. Je vais remettre... Tu vas faire quand même des collectables bien pétés, quand même. Oh, je peux pas compléter cette tour parce que j'ai pas la compétence éclair spectral. Et comment on la débloque, éclair spectral? Fais voir. Dis-moi. C'est quoi, éclair spectral? Il faut continuer l'histoire, mais je veux pas, je veux pas. C'est les mecs qui je comprends. Veux pas. Non mais de toute façon, il faut. De toute façon, à partir d'un moment où pour terminer, il faut que je débloque l'histoire parce que. Fais-moi l'amour. Alors j'ai fini ça. Et là aussi, je peux pas parce que j'ai pas de drainage de combat. Et là, je peux pas parce que j'ai pas. Là, je l'ai fini. Il me reste plus que celle-là à terminer. Ah ouais. Mais comment ça, il me reste genre 30... Il y a 32 collectibles et... Je les ai tous récupérés sur la carte, là. Me dis pas qu'il y a des collectibles cachés qui sont en mode... je me cache sous votre ongle. Ces exilés ont fait preuve de force en survivant. Si, on a des... Non, il y a des collectibles cachés. Genre pour genre ils sont pas cachés, mais des fois t'as l'impression que t'es dessus, en fait c'est les proches étages plus bas. Oui, non, mais c'est qu'ils sont... Ils sont... Quand je dis cachés, c'est genre notés sur la carte. Ah! Genre pas non, notés sur tous, la carte. Ils sont tous notés sur la carte. D'accord, bon. Alors, Frodon... Ah! Moi, ah oui, d'accord. Ouais, ouais, non, mais toi, exister. On n'est pas amis et je veux pas être ton ami. Donc, on va vite. Comment ça, mon ref? Non, mais c'est qu'il y a un gros monstre. Ah, ah oui. On va pas. On n'est pas potes. Reste là. Reste tranquille. Comment ça s'appelle? Ah, mais peut-être que sur les 32, genre, il y en a sur les DLC et tout ça. Ah. Ou alors, pas du tout. Et il faut juste que je continue l'histoire. Le jeu m'incite à le faire. Il me dit. Découvrir des trucs dans l'histoire. Et moi j'aime bien l'histoire. J'aime bien récupérer les collectibles. Aigles, je les mets dans sympa. Aragorn, je le mets dans fais-moi l'amour, putain. Mais oui, mais Aragorn. Gripoil, je le mets dans fais-moi l'amour, putain aussi. Moi j'ai bientôt. Boromir, je le mets dans. Vas-y, dans fais-moi l'amour en vrai, juste pour sa mort. Elor, Elrond, je le mets dans style de fou. Comment, putain. Ah mais je pense que je vais débloquer des trucs en... Lui je le mets dans fais-moi l'amour, putain. En continuant l'histoire. Rosmerta hein. Dans PTDRTK, Gandalf dans fais-moi l'amour, putain. Mais c'est sûr que je vais débloquer des trucs en faisant l'histoire parce que sinon ça Galadriel va Galadriel dans style de fou. Devant Elrond. Le général dans PTDRTK. Le roi sorcier d'Angmar dans style de fou. En vrai je pense que si je regarde le... Si je regarde la licence, je pense que j'aurai des avis qui vont changer, mais...
Ouais, mais en vrai, elle était... moi je l'ai trouvé carré ta tier list. Sauf pour certains persos, mais. Frodon, besoin d'exister, hein, vraiment. Grim à langue de pute, grosse merde. Ah, on est d'accord. Grima, c'est une grosse merde. Ah oui, c'est une grosse merde. Le général qui a aidé et les trucs, il est même pas dans le livre, donc j'ai envie de le mettre dans PTR Tekki. Alors je sais qui c'est, mais... Oui, mais tu le connais il pas. Il sert à R, quoi. PTR Tekki. Théoden, je le mets dans ce style de fou. Devant Elrond. Mériteux. Le roi sorcier d'Angmar, je vais le mettre devant Galadriel quand même. Les générales de tes trucs là, de Théoden, je vais pas les mettre dans PDR Tekki parce qu'en vrai ils sont vaillants. Je vais le mettre dans Sympa, derrière les aigles. Sam Gamji. Moi des fois il me saoule Sam. Ouais mais... je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Ouais, j'avoue. Allez, je le mets devant Gripwall. Dans Fais-moi l'amour. Moi, j'aime bien le duo Merry et Pipin. Donc, je vais mettre dans Sympa. Derrière Gollum. Les deux. Excuse-moi, je suis en train de faire des headshots en boucle là. Je vois ça. Les généraux. Narvi me l'a fait fabriquer pour le forgeron d'anneaux et pour son service loyal. Je oh. les mets. J'ai débloqué dans les. J'ai débloqué les premières phrases. PTDR Tekki. Je suis en train de forger la légende. Ou alors capturer Boromir, je le mets dans ce style de fou aussi. La bouche dans ce style de fou. Balrog dans ce style de fou. Bah, je pense que là, je suis en train de faire des. J'ai bien fait de commencer par ces collectibles là parce que je pense qu'en continuant le jeu, ils vont m'en dire. Eh, en fait, merde. T'avais pas vu cela. Et ça va être bien casse-couille, je pense. Legolas dans Sympa. Sympa devant les. Devant le Merry et Pépin. D'accord. Et derrière Gollum. Bon, elle est où là? Son stylé de fou. Elle est où la je marque? Je pense le premier de stylé de fou. Elle est là la marque. C'est un très bon méchant. Ouais, je pense que là je suis en train de débloquer la moitié. Et ils vont me donner l'autre moitié plus tard. En fait, je crois que j'ai fait la moitié de toutes les missions et genre, ils vont me donner les autres moitiés plus tard dans le jeu. Faramir. Là. Saruman, style de fou. Ah bah, oui, mais bon, ça reste un gros connard. Oui. Son cœur et. Arachné, elle sert vraiment à R dans le Seigneur des Anneaux. Je vais la mettre dans Sympa, mais genre vraiment dernier de Sympa. Oh, même dans Besoin d'exister. Ouais, je vais la mettre là. Je vais essayer d'affaiblir la Metsauron dans une mission rouge. Le rat fantôme, il a pas beaucoup d'importance, mais je le mets dans ce style de fou. Ah, quand même! Quand j'ai. Ils ont beaucoup d'importance. Le roi lui-même. C'est pas très long, quoi. L'armée des morts a une grosse importance à un moment. Bilbon. Moi, Bilbon, il me fane aussi des fois. Je vais le mettre dans Sympa. Genre au-dessus de Gollum, parce que c'est une. En fait, c'est ce qu'aurait pu être Gollum. Ou Gollum aurait pu être ce qu'est Bilbon. Enfin, je sais pas comment dire. PTR Tekki. Attends, je vais refaire PTR Tekki. Un truc de sympa. Salut mon pote! Uruk devoir tuer ça, Uruk. Tu es homme aussi! Ah oui, c'est vrai qu'il est méchant! Non, mais ça avec toi! Save Download. Download the image.
J'ai terminé la mission et je crois que j'ai... Ah, j'en ai tué un. Fais-moi un rapport de combat. Genre là, il y a plein d'orques autour de moi. Je demande un rapport de combat. Oui. J'envoie aussi dans le bloop la mienne. Qui est en vrai assez similaire. Là je suis en train d'en tuer plein parce que ça me... juste ça m'accorde une satisfaction plénière. Je deviens Link à un certain moment, ça me bute. Tiens, tiens. Toi tu crèves. Toi tu crèves, toi tu crèves. Mais ce jeu, c'est aussi défouloir que Doom. Mais pourquoi vous êtes plusieurs maintenant, les gars? J'ai deux capitaines. Bah, si tu t'enfuis parce qu'il y a un Karagorg, tant mieux. Bois. Mais pourquoi il y a un Karagorg? J'ai envie de dire tant mieux parce que mais, ça me... Mais, ça m'aide, mais... Pourquoi mais... Pourquoi? Et j'ai fermé mon tournoi Roméo et Juliette. Ah, le tournoi Roméo et Juliette. Bah, tu peux le faire, hein, mais... Oh, il y a Jiraya, il m'a offert un mois d'abonnement. Ah, j'ai tué un capitaine, c'est bien ça. Il n'y en avait pas un qui se cachait là? Ah si, il est là, lui. Comment ça, en repli? La prochaine fois, j'aurai ma revanche. Non, non, mais tu te barres pas, toi. Tu restes là. Reviens ici, fils de pute. Ah, t'es... Non, mais... D'où tu... Mais attends, mais il y en a un qui essaye de se barrer, là. Étoile qui est en train de s'entraîner pour la Zilan. Oui. Mais il est en train de se barrer. Mais reviens. Reviens, grosse merde. Oui, oui, il fuit là, il est terrorisé. Ouais, mais il meurt. Ouais, ouais, parce que sinon c'est chiant. Meurs. Il y en a un autre là qui veut se battre. Eh, meurs dans les fesses. Ah, j'ai débloqué une compétence. Ah, mais la team du lundi est sur Lethal Company. Bah oui, on est lundi. Ah oui. Donc forcément, tout est dans le nom. Tandis que nous, on est en discussion. Pour en discussion, l'autre il me dit on se fait un petit stream, je suis dispo à minuit 30. Dispo à 21h40. Bah, en fait. Oh, tout de suite. Je vais faire un peu de Apex. Je pense que je vais vous laisser. Puis peut-être on se retrouve tout à l'heure. Peut-être pas. Putain, mais le Karagorg qui j'étais en train de récupérer ma rune, il est venu me péter la gueule. Ah oui, le frérot, putain, ils t'ont repéré. Excuse-moi, ah, c'est pas en vrai. Fait. Ah, vraiment, il est arrivé en mode... Vous connaissez notre Seigneur Jésus-Christ? Vous connaissez notre Seigneur, le Karagorg? Karagorg! Tu vas m'abandonner ici, tu vas aller sur Apex? Oui. Traître. Parce que... Traître. Collectionner 50% des Itildin. Eh, j'ai 50% des Itildin, hein. Mais je les ai tous, en fait, je crois. Et je crois que le jeu, il va me dire... regarde, il y a Itildin. Il y a des Itildin en plus. Si je continue le jeu, je vais pense me dire t'as, ça. T'as, ouais, c'est ça. T'as débloqué tous ceux que tu pouvais débloquer. Et ensuite, le jeu va me dire « Hey, il y en a d'autres maintenant. » En fait, il y en a d'autres. C'est juste que bon, quand tu es censé être niveau... Tu vas faire la mission faite pour le niveau 1 et t'es niveau 100, tu vois. Du coup, il te bride un peu le jeu. Je suis pas niveau 100 non plus. Non, niveau 100, mais tu m'as compris.
Bon, je vais vous faire des bisous le stream. À la prochaine. Non non mais je rigole en plus. Toxique. Bah, non mais en plus là je regarde la map, je regarde ce qu'il me reste à faire en full collectible là, je crois qu'il me reste un truc. Bon, moi je vais voir si je stream beaucoup parce que ça fait quand même cher. 30€ par mois une clé 4G. Ah oui, ça fait. Bah oh, mais punaise. Le Karagorg, bah, mais je peux jouer le Karagorg s'il te plaît. Putain, j'ai un Karagorg au cul qui veut juste ma mort. J'en ai deux. Eh oh, 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 oh. Bah oui, c'est les deux de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, c'est eux. Attends, il y a un Grog là. Ouais, non mais il y a tout en fait. Il y a toute la faune. Je peux juste aller chercher le truc qui reste là. Il y a un petit truc dans la grotte, je vais y aller. Juste besoin de ça. Moi. Je crois que je vais avoir récupéré 50% des trucs, ensuite le jeu va me dire. Putain, mais ils sont nombreux là, bon, en fait. En vrai, en deux streams, t'as récupéré 50% des trucs, tu vas finir le jeu en 10 épisodes. Ah oui, ils sont beaucoup. Oh là là. Hé, hey, toi. Ouais, fur. Oh mec, tu les as démarrés, tous. Bah j'ai essayé de le faire, mais il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Ouais, mais c'est vrai que tes tirs de flèche font pas beaucoup de dégâts. Pour l'instant. Mais t'as pas amélioré du tout l'arc, t'as pas mis de runes dessus. Si, en plus, je crois que j'en ai mis quelques-unes, mais pas des runes de dégâts, mais après ça s'ajoute. Oui, c'est pour ça. Allez, des bisous tout le monde. Bisous Jésus. Il va sur Apex. Oui. Et tu vas stream ou pas là? Ah, il est parti. Pas de réponse à la question. Putain, j'ai vu le... Jésus LPM joue à Apex Legends, il vient de le lancer. Oula! Moi, je veux juste récupérer un truc qui se trouve dans votre grotte, les gars. Hein. Je veux pas être full agressif comme vous l'êtes. Hein. Un esclave en fuite. Allez, on s'y remet. Le tueur. Non, mais c'est bon. Ah, je crois que j'ai le dernier truc que je devais récupérer ici. Ah. Ah là là. Non mais j'aime bien, c'est un petit stream papillonnage, un petit stream balade. Un petit stream où on récupère tout ce qui est récupérable dans le début du jeu là. En first game. Et ensuite on voit ce qu'on a à faire. Alors par contre, il y a deux trucs que je peux pas faire parce qu'il me faut l'éclair spectral. Et ici c'est le drainage de combat. Sauf que... Bah, je crois que si on regarde... bon déjà, armes et runes. Je crois que j'ai récupéré des runes pour l'arc. On va mettre celle-là. On va continuer. Ah! On va ajouter ça, je pense. Pas de la concentration que je veux. En fait, je veux de la... Voir les améliorations que je peux avoir en compétences. En fait, du coup, il me faut le drainage de combat et l'éclair spectral qui sont des missions principales. Donc, on va pas les avoir ce soir parce qu'il faut que je continue l'histoire principale et on la continuera demain, l'histoire principale. Demain, on fait full histoire principale et ensuite on voit ce qu'on débloque. On va voir ce qu'on a en attribut.
En attribut, on va peut-être pouvoir... On va peut-être pouvoir acheter un placement de runes ou... On va augmenter encore la santé. Et on va ajouter un emplacement de runes pour l'épée. D'accord ? Et ça me permet d'ajouter un dernier emplacement pour l'épée. Un autre emplacement qui vient s'ajouter, donc ajouter une autre rune. Plus en plus, ouais, celle-là. L'armée de Sauron, est-ce qu'on... Oh, j'en ai fait tomber plein, hein. Il m'en reste quelques-uns, mais pour l'instant, j'ai l'impression que je fais bien tomber l'armée de Sauron, hein. Après, elle va évoluer, hein, l'armée de Sauron, c'est un peu du endgame aussi. Ils sont remplis d'une tête. Et là, on va aller faire la dernière mission qui est possible à faire. Puisqu'il m'en reste deux qui sont impossibles à faire. Après, il y a des missions de libération. Mais ça, c'est des missions secondaires pour avoir des M en plus. Mais pour l'instant, ouais, on a plutôt bien nettoyé. Après, le rouge, ça permettra d'obtenir du pouvoir. Ça se fait, hein. On leur apprendra la signification de la peur. Et ce faisant, on donnera espoir à la terre du milieu. Est-ce que je peux passer par là pour sortir ? Oui, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est dangereux. Ah non, c'est pas dangereux. Ah non, c'est bien par là la sortie. Enfin, j'ai l'impression que c'est par là, après on ne sait jamais. Ah oui, c'est par là, mais il y a le gros Stremont qui... Bon, on va le fuir, hein. On va le fuir, on va faire la dernière mission possible de ce soir. Ah, peut-être les deux missions blanches qui traînent. Et demain, on fera du full jaune. Et un autre stream, on fera du full rouge. Connexion au chat. Encore une ? Ouais, ça fuit, hein. Ah ouais, brutaliser, ça fait... Ça les fait partir un peu, hein. Ils sont moins enclins à être vénères un peu. Ah mais après on continuera la mission principale parce qu'elle a l'air vraiment cool. On apprendra un peu plus sur l'histoire de manière générale. De toute façon j'aurai plus grand chose à faire puisque j'ai débloqué environ 50% des trucs qu'il y avait à faire pour chaque 50% des trucs qu'on a encore donc allez. Il chevauchait parmi les rangs au dos d'une bête monstrueuse coupant à travers une telle lame. Ah. Intéressant. Chevaucher le Kargorg. Eh ? Viens là mon pote. Allez petit tonnerre, on y va. Tuer des Uruks par morsure de Karag. Oh bah ça se fait ça, facilement même. Ça se fait même très bien ça. Bon allez, c'est bon, je crois qu'on a tué une première patrouille. On va aller s'occuper de celle qui est un peu plus loin. Vous pouvez escalader les falaises à dos de Karagorg. En effet. Et pour l'instant, on va aller buter du troll à coup de morsure. Parce qu'apparemment, il faut que je l'ai tué à coup de morsure pour avoir l'objectif bonus. Et c'est pas si compliqué que ça, donc on va juste les buter comme ça, hein. Surtout celui avec son bouclier là. Voilà. Et on va avoir les derniers là-bas.
qui sont pas si compliqués que ça, hein. C'est juste pour forger la légende de l'épée et en soi ça se fait facilement. C'est juste le timer qui m'inquiète un peu, mais sans plus. Hein. Ding dong! Et là, normalement... Là, normalement, voilà, on a terminé à peu près ce qu'on pouvait terminer. On a terminé cette tour-là, cette tour-là, cette tour-là, cette tour-là. On a terminé toutes les tours, sauf celle-ci, pour la raison qu'on connaît, c'est-à-dire qu'elles sont pas terminables, puisqu'on n'a pas, pas les compétences nécessaires pour cela. Ces deux missions sont... traînent un peu sur la map, donc on va aller les faire. Parce qu'elles ont pas l'air d'être si nulles que ça. Allez, on les bouffe. Là, on va pouvoir lancer la mission. Allez. Allons faire cette petite mission-là pour aider. Tuer des Zoloks depuis un rebord. N'existe pas. Comment je peux tuer des orques depuis un rebord? Bon, ça se fait facilement, mais c'est pas... Il y a d'autres guerriers qui vont nous rejoindre. Super, comme si on avait besoin de ça. Contre l'image pour nous voler le croc. Toi, t'as des renseignements. Tu vas me donner des renseignements sur... Alors lui, je connais ses forces. Je connais déjà les forces. Connais. Ah, mais il y a des capitaines inconnus là qui se baladent. Toi là. Ok. Merci beaucoup, Rodeur. On va faire une sacrée chasse. D'autres pas loin. J'ai hâte. Aidez-nous, d'avoir ma récompense. Comment je peux les tuer depuis un robot? Est-ce qu'on fait l'objectif supplémentaire? Bah, il a l'air bien, mais je sais pas comment je peux tuer depuis un rebord un ennemi, quoi. Parce que ça, c'est depuis un rebord. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ça a l'air plus complexe que... Ah, bah... Ah, c'est intéressant. Ça se fait en fait. On marchera hors du Mordor, on traquera ce qui reste des elfes et on les massacrera tous jusqu'au dernier. Un jour vient. Ah si. En fait ça se faisait. Même plus facilement que je pense. Je peux même le refaire. Je vais le faire pour valider l'objectif et puis... Ou alors, est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux valider l'objectif? Ah oui, là-bas, je peux valider l'objectif. Si je me mets sur le rebord...
capitaine ne perd pas de temps à tuer les capitaines. Comment Ratbag a fait tous les châteaux si longtemps? Je t'ai vu casser cet outil. C'est drôle, hein? Ce sera encore plus drôle quand je te casserai le bras. Une minute. Je sens quelque chose. C'est ça, sens ce que si tu veux, mon pote. Tous tes outils, on te fera juste creuser à main nue. C'est bon. Voilà. On détache les alliés. Je te suis redevable. Quelque chose vient de bouger par là-bas. C'est pas vrai. T'existes pas. T'es mort et tu ne le sais pas encore. Viens là, mon pote. Quelqu'un l'a tué. Ouais, c'est moi. Viens de battre. Viens, mon pote. Tu as cassé cette pelle volontairement. Tu vas le faire passer. Non, non, tu parles pas, toi. Tu sais combien d'armes j'ai abattu pour fabriquer tes outils? C'est déjà beaucoup! Ferme-moi tranquille! Je vais te montrer maintenant! Et voilà! Ah, on détache les esclaves. Tant de douleur pour une simple pelle cassée. Je pense que ça va. C'est-à-dire pourquoi j'ai pas fait la mission, mais c'est parce qu'elle est pas débloquée. C'est ça le. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'avais pas. Pourquoi c'était pas complet, mais c'est parce que j'avais pas terminé. Une dernière. Ça fait deux heures. Ça fait deux heures qu'on est en live à peu près. Je le sais vraiment. C'est plutôt bien, 21h. Du coup, pas de lundi multi, enfin, à ce qui semble être, pour l'instant, pas de lundi multi. Mais, bon, ça ne saurait tarder, mais voilà. On verra avec Seiko s'il y a un lundi multi qui se profile. Il est 21h40. C'est juste que Seiko sera en lundi multi à partir que de 21h40. Pour les mecs qui jeûnent. Et donc nous, on continuera notre aventure, on continue l'aventure là. On fera pas de mission jaune parce qu'on a fait beaucoup de papillonnage aujourd'hui. C'est un peu l'objectif. C'est l'objectif, objectif papillon aujourd'hui. L'objectif, on fait tous les trucs qui traînent un peu sur la carte. Et après, on... Parce que j'ai l'impression que comment il s'appelle? Jésus avait vraiment envie de partir sur... Non, je peux le faire. Hein. Non, je veux être en... Oui, c'est moi. Et moi. Tu vas comprendre qui commande. Ouais.
Que laisse-moi tuer un qui traîne au-dessus. Pas sûr que vous soyez prêts, mais bon. La certitude est toujours une bonne. Toujours bien d'être serre, d'avoir une forme de certitude de ses convictions, c'est toujours intéressant. J'arriverai pas à faire l'objectif, hein. Il y a un objectif, je pense que ça risque d'être très compliqué d'y arriver en, d'une certaine manière. Je suis un peu circonspect par le fait que... C'est compliqué quoi, enfin, je veux dire... Ok, donc lui c'est fait. Non, il faut que t'allumes rien du tout mon pote. Moi j'existe plus. On n'appelle rien. On apprend à gérer tout seul, d'accord ? Oh lui, oh il est beau. Oh il est beau. Oh il est pour moi le celui. Des belles éliminations aériennes comme on les aime. Excusez-moi, je suis concentré, j'essaie de faire l'objectif secondaire et ensuite on s'occupe de faire le dernier objectif parce que il est toujours bien de le faire, enfin je me dis un objectif qui s'ajoute. Je veux plus entendre aucun refus. Ouais, toi, je vais t'éliminer. Ah mais tout, mais attends, mais toi tu vas répondre à mes questions. Est-ce qu'il y a un autre type là qu'il faut que je connaisse? Lui là. Il y en a qui souhaite appeler l'alarme là. Non, personne n'appelle l'alarme là. Moi je libère mes amis. Mes amis les hommes. Il y en a d'autres plus loin devant. Ah bah je me doute ça. Je suis en train de leur faire du mal. Je suis en train de faire du mal à tous les autres orques là qui sont en train d'essayer d'être méchants. Là on est bon. Non? On est pas bon? Attends. J'ai encore gagné à tuer. Ils sont... Plus personne ne voudra m'offrir. Excusez-moi, j'essaie de faire des belles têtes. Tu n'iras pas loin. Ah, vous êtes tous là? On peut pas sauver nos... Ah ouais, en effet, vous êtes tous là, ouais.
Eh bah attendez, je me barre et je libère les derniers. Ah mais me poursuivez pas les gars, ça sert à rien. Moi mon objectif c'est la disparition. Et par contre si Talion il reste bloqué sur un bout de bois, ça va pas le faire mais bon. Et moi. Ah c'est bon, je me suis occupé de tous vos potes. Oh bah ça. Il y a encore du travail. Tu vas continuer à t'obstiner. Ah! C'est tout à fait inutile de se disputer. Je vais te laisser vivre si tu acceptes de lâcher ton épée. Oh! Ah, il est terrifié. Excusez-moi, je suis en train de m'occuper de votre chef là. Oh! Ah bah! Ah, c'était rapide! Excusez-moi, je libère ça. Non mais c'est bon. Non mais c'est bon, je suis content. Qu'est-ce que c'était ? Non mais c'est bon. Ah ça les a pas mis bien nos potes. Ah c'est qui lui? Oh. T'en as pas un autre là? Oh mais y'en a un qui est en train de se barrer. Eh oh, te barre pas mon pote. Mais lui il partira pas comme ça, je vous le dis hein. Allez, c'est fini pour votre pote. Allez, Nidastico c'est mort. Ah les capitaines, ça fait plus ménage hein. Ah, il y en a toujours un qui est en mode c'est moi le chef. Hein. Non, mais c'est bien. Si on peut tuer. Oh, 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 oh la rune qui vient d'apparaître, on va la garder. Hein. C'est quoi, c'est celle-là? Ah, c'est signe du destin. Oh, je peux te dire que ça va être. Oh. Je peux pas? Bah si, je peux. Allez! Ah c'est bon, autant acheter des trucs quoi. Allez, même celle-là, on va la prendre. Arme. Annexe. Ouais, donc on a récupéré beaucoup de choses lors de cette session. En vrai. Voir l'armée de Sauron, comment elle s'en sort. Je crois que je suis en train de tous les buter en termes de. Ah oui, il y en a plein qui sont tombés au combat là. Ah là là. Ah, je suis bien en train de la. De l'affaiblir là. Sauron, tout ça, son armée. En soi, je suis très content.
On est en train de bien l'affaiblir. Ah ouais, il y en a. En vrai, les deux qui sont à côté, ça se fait, hein, je pense. Il y en a trois qui sont à côté. En vrai, ça se fait, hein. Ils sont juste à côté, mais en soi, il y en a un qui est encore plus à côté. Oh, on va accepter, tant mieux. Allez, acceptons. Faisons des capitaines. Ah, ça chasse le Karagorg. D'abord on piste, ensuite on tue. C'est parti. On tue ? Bon, déjà, on va faire ça. Puis on va peut-être monter sur un... Ah, il a une haine des brûlures. Ah, c'est pas bien... Pas bien timé. Pas un Karagorg qui veut se balader vers moi, là. Ah, il est insensible aux attaques à distance. C'est pas un Karagorg, là, qui veut venir. Ah oui, non, mais il est insensible aux attaques à distance. Sauf que là, il y a un Karagorg qui est en train de me poursuivre. J'aimerais bien le récupérer, au moins pour moi. Non mais... Si je pouvais avoir mon propre Karagorg, ce serait super. Ah ! Mon pote ! Petit tonnerre ! Allez, on va attaquer. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, j'ai terminé la mission. Par contre, là, je dois me battre face à lui. Oh. Bon, alors, fais voir. Là, fais voir moi. Fais-moi un rapport de combat. Ah, oh, c'était juste ça. Qu'on soit lâche. T'inquiète. T'inquiète, mon ami. Ça, ça marchera. En boucle. Ah, et je peux pas le... T'es sensible à ça, toi, non? Allez. Toi, t'es mort. Je suis peut-être étourbi de dit, mais toi, t'es mort. Fais-moi un rapport de combat. Oh, oh non, regarde. Oh, regardez, ils sont tous... Ah oui, j'ai peut-être tué beaucoup de méchants de Sauron. Ah, j'en ai peut-être tué beaucoup. Je viens de me rendre compte que j'ai peut-être fait une hécatombe. Ouais, il va pas forcément être content. Après, ils sont en train d'augmenter mon pouvoir, donc je suis content. Allez, on continue.
Ah oui, c'est vraiment une embuscade. Ça suffit maintenant. Par où on allait? Les ours énervés, plantez-les. Limace. Homme ruiné plan. Tuez homme. Allez, on lui met des gros dégâts. Allez, encore des gros dégâts là, oui. Allez, de nouveau des gros dégâts. Ah, il est en repli. Non mais tu t'en vas pas en fait, mon pote. Comment ça tu t'en vas? Non mais yo. Non mais yo. Ah mais le... Ah le traître. Mais Mais non mais reviens. Ah mais... Non mais reviens. Allez, l'intellectuel qui se barre là. Embuscade, mission terminée. En plus, je l'ai buté. En plus, il gagne pas de pouvoir. Rapport de combat. Allez. Encore un qui vient de tomber. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à récupérer son truc, lui. Oh, bonjour! Je le vois à ton allure, mais je connais tout de cet art. Allez. Tu sais peut-être des trucs sur tes potes, toi. Genre lui, là. On récupère des trucs. Mais il refuse que je récupère le truc, donc forcément c'est chiant quoi. Je vais pas laisser une rune de capitaine par terre quoi, enfin. Je veux dire, ça se fait pas, enfin. Parce que vous êtes nombreux que vous allez me battre.
C'est toujours un plaisir. Ah, oh, il avait des renseignements, ça aurait été un plaisir de les avoir, mais bon. Ah, bonjour, vous ! Il faut toujours que ça tombe sur moi, hein ? Il faut toujours que je tue tout moi-même ! Meurs ! Qu'est-ce qu'elle met, là, avec du clairvaux d'Ambroise, là ? Ah, bon bah, c'était rapide. Non mais moi je veux juste récupérer de l'arc, hein. Juste récupérer la rune qui traîne. Et là, depuis tout à l'heure, je dois m'occuper de méchants. Enfin, ça devient fatigant, quoi. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Pour toi, crève. Vraiment, c'est... Mon clic gauche n'a jamais autant souffert dans une soirée. Toi, tu crèves. Et ils sont beaucoup trop nombreux pour pas grand chose, ça me fatigue. Moi, je veux juste l'arc qui traîne là, et à chaque fois que je bute un. Enfin, j'ai envie de te dire, à chaque fois qu'il y a un type, je m'occupe d'un lieutenant de ce rond, donc à partir d'un moment. Oh non, mais c'est pas possible, là. Putain, c'est... Ça devient long. C'est long. Les gars, c'est juste long, en fait, là. C'est trop. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour pas grand-chose. Je vous roule dessus. À partir d'un moment, vraiment, on arrête. On dit qu'on fait ça ? Allez. À partir d'un moment, il va falloir commencer à arrêter à me les gonfler. C'est bon ? Pour toi, tu crèves ? Il est où le dernier, là ? Oh ! C'était long. D'abord, on a débloqué une rune d'arc. Ah, mais c'était fatigant. Long pour pas grand chose. Ouais, voilà, c'était vraiment. Je crois que c'est le nom. C'était long pour vraiment que dalle, quoi. C'est quoi ça? Oh 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 oui. Ah oui, on va se le mettre, lui.
Ah ouais, ouais, je peux te dire qu'on va se le mettre bien, celui-là. Encore 97 points de pouvoir et je vais débloquer le drainage de combat. Hein. En fait, il faut que je continue l'histoire pour débloquer ça, l'éclair spectral. Et qu'il faut que je continue pour débloquer les dévorages de prochain rang, il faut que je continue pour débloquer ce niveau-là. Oh là là. Annexe. Ah ben annexe, on a débloqué plein de trucs. On a débloqué la moitié des Tildin. Donc il reste une bonne moitié à débloquer hein, pour la suite. On a débloqué la moitié. 19 x 2. Ah bah non, 19 x 2, ça fait pas 42 si. Je fais le calcul là. Hein. 19 x 2. Non, mais 19 x 2, ça fait pas 42. Non, ça fait 38. Donc il y a encore des artefacts à trouver. Bon bah, nature, ça c'est à trouver un peu en se baladant dans le monde. Notamment tout ce qui est les champignons. Le peuple, bah ça on découvrira, je pense, en continuant l'histoire. Le savoir, toujours en continuant l'histoire, je pense. Les visions, ça, on va le débloquer surtout en continuant l'histoire. Et les guides et indices, bah, ça aussi. Mais on a récupéré des bons collectibles ce soir. On va regarder... J'ai envie de regarder l'armée de Sauron parce qu'elle... Ah, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont à terre. Ouais, j'en ai beaucoup. Putain, il y a encore. Interrompez l'épreuve pour affaiblir l'armée de Sauron. Ah, il y en a quand même beaucoup qui sont à terre. Hein. Bon, il y a de l'histoire. Après, quand je dis qu'il y en a beaucoup à terre, il y en a beaucoup qui sont à vérifier. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce live sur l'ombre de la guerre. Merci à vous, YouTube, d'avoir suivi cette VOD. On se retrouve pour la suite de l'aventure, sûrement demain. Et demain, on continuera avec la mission principale. Hein. Demain, on va pas se mentir. Demain, on fera ça. On fera gravir les rangs. On fera souvenirs brisés. On fera les exilés. On fera toutes les missions jaunes. Un jour, on fera toutes les missions rouges. Pour des pouvoirs et tout ça, on fera les missions rouges. On continuera de continuer. On essayera, je vous dis bien, de faire les missions, les dernières missions. Par exemple celle-ci. Mais là, pour l'instant, on va se dire au revoir pour ce soir sur l'ombre du Mordor. Au revoir tout le monde. À la prochaine. On va quitter. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée ou... Qu'importe à quel moment vous regardez cette VOD. Au revoir YouTube.